Je te comprends. Tu as déjà échoué le probatoire 3 fois. Et toi, en tant que tome 5, tu devrais te concentrer sur tes études au lieu de regarder les jupes des petites filles. Tu ne trouves pas? Ah, donc c'est maintenant vous qui allez me dire quelles sont mes priorités. Écoutez-moi très bien. L'examen, si je veux, je l'aurai. Ah bon? Et pourquoi depuis tu échoues? Pardon, il faut m'amener là-bas. Tu vas partir, tu vas partir. Toi, tu es toujours en train de dire que si je pouvais, toujours en train d'envier les gens. Laisse-la, s'il te plaît, laisse-la. C'est quoi ton problème? Rien, maman. Regardez-moi bien. Je suis ici. C'est moi qu'on envoie chercher, non le contraire. Tu as compris? Massa, je vous ai dit que l'épreuve là m'a fouetté. 4 sur 20. Mon père doit seulement me tuer. Yeah. Toi aussi, tu as fait fort, maman. 4 sur 20 en maths. Hush. Heureusement que moi, j'ai quand même eu 10. Hein? Ma copine, tu es combien? Oui, ma copine, alors tu es combien? Mais pourquoi ça vous intéresse? Les notes sont confidentielles. Confidentielles comment? Depuis quand les notes sont confidentielles? J'ai dit, je ne montre pas. C'est quoi, avez-vous aussi obligé de vous montrer? Maman, pardon, ce n'est pas la bagarre. Laisse. Ouais, Asia, Asia. Tu m'as mis les cailloux comme sauce. Oh, ouais, j'espère que tu n'étais pas fait mal, Asia. Hé! Hey. Hé! Hey. Ma copine! Ta copine a fait fort à ma... Quoi encore? Attends. Demi, tu vas en mathématiques. Ah, ici. C'est ta copie que je vois ou bien c'est la feuille de quelqu'un d'autre? Tu ne vois pas son nom. C'est la feuille de quelqu'un d'autre comment? Quel est votre problème? Demi. Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu es fort en tout. Tu as fait comment pour avoir Demi? Notre camarade intellectuel. Premier du centre. Aïssi, viens m'expliquer comment tu as fait pour avoir 0. Quelle honte! Ah, laisse-la partir. Laissez quoi, elle va m'expliquer. Elle est première du centre, elle a 0 à maths. Ma copine est intellectuelle! Viens m'expliquer. Oh, Aïssi, laisse-la partir. Laisse-la partir. Gars, tu comptes finalement prendre la chaise là ou bien? Sinon, j'ai un client par rapport. Ouais. Je t'ai déjà promis qu'il allait prendre ça. Pourquoi tu me mets cette pression là, gars? Attends, c'est déjà premier week qu'il n'est pas pris. C'est même quoi ça? Ce n'est pas ça. C'est que les temps, c'est moi, j'ai besoin d'argent. Si tu n'as plus par rapport, tu me dis, je gère ça au bord et puis après, je vais te trouver un autre truc. Oh, ne me fais pas le oui, après tu as dit que tu n'as pas trouvé. Donc calme-toi très vite. Obama, Obama. Ouais. Ouais, t'accroches qui passe sur la moto. Oh, qui ça? La petite fille de la seconde, non? C'est qui est calme comme ça? Oh, gars! La jolie fille avec la belle bouche là. Ouais, c'est elle. La fille sait ça peut même comment et son nom m'échappe. Elle me tue seulement, gars. C'est qui déjà? Elle est là-bas. Mada. Elle s'appelle Mada. Pourquoi tu me dis ton nom souvent? Regarde-moi celui-ci. Il ne connaît même pas le nom de la fille dont il est amoureux. Il est amoureux d'une fille qui n'a pas son nom. Comment tu connais son nom? Regarde, j'ai trop suspect. Trop même. Hein? Qui comme ça? Contrairement à toi, je prête attention aux gens et à ce qui m'entoure. Bref, c'est pas important. Et faut que tout même l'occasion de trouver cette fille là, elle est tellement effacée que je n'arrive même pas à trouver l'occasion. Même jusqu'à présent, je n'ai pas eu son numéro. Ça me chope les nerfs. Ça me chope les nerfs. Attends, j'ai une idée. Et si tu lui écrivais une lettre, comme le faisaient nos parents à l'époque? Oh mon pote, gars, tu es le génie, gars. Il fait ça. Il fait ça, gars. Écris une lettre. Toi, Omarou, écris une lettre. Pourquoi pas? Mon frère va devenir pauvre à cause d'une fille. On va tout voir ici, d'ailleurs. En tout cas, c'est que tout chemin mène à Rome. Bien, non? L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. Ouais, vas-y. On va voir ce que ça va donner. Et, Obama. Ouais. Tu vas la lui mettre. Et pourquoi moi? Et... Ne me mêle pas de tes affaires. D'ailleurs,
Moi aussi, je l'aime, je la yamo. Je pense qu'elle te plaît seule. Doucement, hein? Doucement. Tu as compris. Je l'ai vu le premier. Donc, don't touch. Tu as compris, non? Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Arrêtez-moi ça, d'accord. Arrêtez ça. Et s'il faut faire. Pour le bagarre, pour une femme. Ok, pour une femme. Mada! Mada! Attends-moi, pardon. Bonjour. Qui t'a dit que c'est comme ça que je m'appelais? Mais voyons, nous sommes dans le même lycée, non? Bref, c'est pas important. Comment tu vas? Je vais bien. Tu es seule aujourd'hui, on dirait. Où sont passés tes camarades? Non, c'est pour me demander mes copines que tu m'as stoppé comme ça. Non. C'est juste que je suis habitué à vous voir marcher à trois. Te voir seul aujourd'hui, ça me suscite des questions. Comme tu vois, je suis seule aujourd'hui. Tu rentres comme ça chez vous? Écoute, si tu as à me dire, dépêche-toi. Hein? Il fait très chaud. Si toi, tu n'as pas chaud, moi, si. Je voulais juste t'accompagner. Ça ne m'intéresse pas, merci. Mais attends, attends. Attends. C'est quoi ça? On m'a demandé de te le donner. Merci. C'est quoi? Aïssi. Pardon, arrête d'abord comme ça. Je vais me mettre à l'aise. Il y a quoi? Tu as mangé quoi? Arrête d'abord. Le piment, le piment, le piment. D'accord, copie. Ah, la vie, c'est me rendre même souvent. Un sac comme ça là qui est vide, vide, vide. Il y a même quoi dans le sac ici là? On n'a jamais mis là même d'abord. Regardez un peu, voici la légende. Il savait une pauvre fille comme ça, il marche avec les tennis sales. Regardez. La jambe ne mène même pas dans le sac. Rien. Elle dit qu'elle pas à l'école, c'est pour faire quoi à l'école? 500. Oh. Le peigne. Comment on a fait quoi avec la lettre? Laisse-moi comme ça là, j'ai trop duré. Copine, j'ai fini. Non, ça va, ça va. Ça va, on va pas. Voilà.
Mais gars, tu as quoi que tu m'appelles aussi urgent que je ne parviens même pas à m'habiller? Obama. Ouais. Obama. Ouais. Gars, tu es sûr que tu as remis la lettre à la meuf là? Oh, mais bien sûr. Mais attends, pourquoi cette question? Tu doutes de moi? Dans la lettre, je l'ai invité qu'on devait se trouver ici aujourd'hui. Mais il n'est pas Kim, gars. Bah là, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Mais rassure-toi, je lui ai remis la lettre en main propre. Sois-en sûr. Nice. Ok, tant pis alors. Bonjour. Ah, bonjour. Tu fais quoi ici là? Je m'ennuie un peu à la maison, du coup j'ai voulu prendre un peu d'air. Raya, les ouais des bobos, les ouais forts. Donc petit, tu ennuies que tu es à la maison là, tu cours directement dans les rails milieu. Ok, d'accord, assieds-toi avec nous alors. Merci. La Go Galaxy, toujours choco. Tu prends quelque chose? Ouais, je vais prendre du jus et du charme. Du jus et du charme? Ouais. Obama, tu prends ça, tu gères la commande de la meuf là. Ok? Alors, sois tranquille, ok? Mets-toi à l'aise, hein? D'accord, merci, sans souci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Peux faire un retrait? Veux-tu Orange ou MTN? Orange. Combien? 50 000 francs. Ok, validez ici, voilà le code. D'accord. Merci bien. Ce n'est pas monsieur Atogé là-bas. C'est lui, non? C'est lui. Le prof là, il est choco. Il n'est pas mal ce professeur, hein. Beau, élégant. Je crois que j'ai une idée. Bon, les filles, vous pouvez avancer. Je vais aller voir le professeur pour lui dire un truc. Tu vas lui dire quoi encore, maman? C'est pour des cours, non? Ah, ok. Ah, ok. Mais n'oublie pas que j'ai ton sac. Hein. Donne-le-moi. Merci. Après. On y va, non? Je fais encore quoi, assis?